Salut tout le monde! Alors non, je ne suis pas toute nue, je suis en maillot de bain et aujourd'hui, je teste pour vous la brume pour le visage bronzante, antioxydante de Coco and Eve. Je me prête à l'exercice, on est l'hiver, je ne suis pas bronzée et il faut laver son visage tout simplement et le laisser sec. Faut pas mettre de crème avant la brume et moi, je me suis fait une petite exfoliation. Alors là, on y va tout de suite, on shake la bouteille. Là, j'ai hâte de voir si je vais être capable d'appliquer ça uniformément. OK, ça s'applique bien. On dit de laisser ça sécher et quand tout va être sèche, vous allez pouvoir mettre votre hydratant, votre crème hydratante, votre sérum, peu importe. On regarde ça, le résultat, dans 6 heures et je vous reviens. Ça fait maintenant plus de 6 heures que j'ai appliqué la brume pour le visage de Coco and Eve. Et honnêtement, je suis vraiment contente du résultat, c'est naturel. On dirait que je reviens d'un petit 4 jours de Floride. Regardez ici, ça a bien bronzé. J'ai aucune trace et c'est ça qui est le fun. Mes mains sont pas oranges. Je me demandais dans le fond, c'était quoi le but d'acheter la brume? Mais dans le fond, c'est ça, c'est que quand on l'applique en crème, avec nos mains, nos doigts sont tout le temps comme oranges, comme si on vient de manger des crottes de fromage. C'est ça, des crottes de fromage? Oui, des crottes de fromage. Ça s'applique vraiment uniformément. Alors, c'est parfait. Je donne un 10 sur 10 et l'odeur est super bonne. Ça sent pas fort, fort, fort comme les autres autobronzants. Alors, je vous le conseille et le lien est dans la description. Me voici le lendemain de l'application de la brume autobronzante de Coco and Eve. Ça me donne un super beau teint. Là, en ce moment, je n'ai aucun maquillage. J'ai lavé mon visage et ça l'a resté. Même dans mon cou, j'ai un bout de titane et c'est vraiment uniforme. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ce test. Ciao!